Salut à tous, c'est Nimi, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la customisation. Voilà, je l'ai déjà amoché. La Karine, la toute nouvelle les gars. Et vous allez voir que c'est... Alors déjà, c'est le véhicule le moins cher du DLC qu'on retrouvera dans ce DLC. Qui est plutôt sympathique pour une fois Rockstar. Ils ont bien clôturé l'année avec un beau DLC, franchement. J'ai plutôt bien aimé. J'ai fait un live d'ailleurs... sur ma chaîne il y a quelques jours de ça, enfin avant-hier, et vous avez plutôt bien aimé, et franchement les missions sont pas mal. Donc là, on est là pour customiser la nouvelle... Eh oui, la nouvelle les gars. Voiture, alors je vais vous montrer le prix. Donc vous allez dans South Honduras, et attention, c'est bien évidemment la Karine Asterop GZ, les gars. Alors, vous dites, ok, c'est quoi comme voiture dans la vraie vie? Eh bien, vous allez voir pourquoi je la customise cette voiture, parce que c'est une Toyota, les gars. Camry, et honnêtement, moi je suis très très fan des voitures Toyota, et je pense que là on va vraiment kiffer la customisation. Alors on va voir bien évidemment ce qu'on nous propose, etc. Mais vous allez voir que pour une voiture qui coûte 456 000, honnêtement c'est pas si mal, c'est pas non plus, voilà, c'est pas catastrophique. Honnêtement, franchement, moi qui aime bien les voitures un peu de collection et tout, j'aime beaucoup. Voilà, je vais trouver mon petit plaisir. Donc voilà, c'est considéré comme une berline, hein, forcément. C'est un véhicule très très long. Donc voilà à quoi il ressemble de base. Et maintenant, on va voir ce que ça donne en termes de customisation, bien évidemment. Alors, on va commencer par le blindage qu'on met à fond, bien évidemment, comme d'habitude. Frein de course. Alors, frein de course, ça, il faut Weekend Marines, bien évidemment. Ça me fait danser la lambada quand je vois les freins de course comme ça. Alors, en termes de pare-choc, alors, on en a plusieurs. On a course, de rue, classique. Je pense que je vais partir sur deux courses, ouais. C'est 11 000, ouais, ça va. En fait, les customisations sont pas trop chères. On a renversé... Et non, évasé, pardon, je suis renversé, moi. Arrondi et élargi. Ouais, les deux sont à peu près les mêmes. Je vois pas la différence entre les deux, là. Entre élargi et ça... J'arrive pas à voir la différence. Peut-être au niveau des pots. Bon, en tout cas, on va mettre, allez, celui-ci. Alors, moteur, forcément, niveau 4. Échappement. Alors, on a plusieurs échappements. On va voir ce qu'on nous propose. Donc, forcément, j'ai mis les doubles sorties, là, au niveau du pare-choc arrière. On va voir ce qu'on nous propose. Tuyau long. Ok, donc, c'est un grand tuyau. Tuyau long double titane. Gros échappement bout titane. Gros échappement chromé. Tuyau court. Tuyau court titane. Ah ouais, ils sont pas mal. Oh, pas mal celui-là, plaqué carbone comme ça en rouge, j'aime bien. Sympa. Ah, ils sont pas mal les derniers là. Attendez, je vais accélérer pour voir à quoi ça ressemble. Ah, ils sont vraiment vraiment beaux ceux-là. Après ceux-là, les bleus aussi sont pas mal. Je vais partir sur ceux-là les gars, carbone. Après, explosif, bon, ça on met pas forcément. En termes de calandre, qu'est-ce qu'on nous propose? Alors, on a... Sans détail, Karine est élégante. Pff, élégante, je suis pas très très fan. J'aime pas beaucoup le K qui vient un peu gâcher. J'aime bien celui-ci, tu vois. C'est à peu près le même que lui, si jamais vous aimez celui-là, là. Mais en un peu plus discret. Voilà, on va mettre celui-là. Alors, capot. N'oubliez pas, les gars, à la fin de noter le véhicule, hein, les gars, sur 10. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors on a tuning et de course. De course, ça fait vraiment un véhicule sportif qui est comme un véhicule qui est une berline. Donc là, on va justement jouer sur ce truc, le fait que ce soit une berline et le fait de la mettre en course un peu comme ça. Klaxon, on s'en fout. Park Zélon, on verra la couleur après. Alors les motifs, qu'est-ce qu'on a comme motif sur ce véhicule? Oh, sympa ça. Ça, je suis moins fan. J'aime beaucoup cela. Moi, ouais, j'aime pas mal ça. J'aime pas mal cela. Les éclairs un peu vintage, c'est sympa. Alors, au niveau des rétroviseurs, qu'est-ce qu'on a? On a rétroviseur tuning. Oh, ils sont beaux. Ils sont vraiment beaux. Après, carbone, c'est pas ouf quoi. Ouais, je pense qu'on va partir sur du tuning et bon, à carbone, non, ça le fait pas trop. Tuning de la même couleur, c'est bien. Plaque, alors plaque, on va essayer de claquer la nouvelle là, Sprunk, ouais, c'est pas mal.
Peinture, couleur principale métallisée. Alors là, en termes de couleur, qu'est-ce qui va bien avec ce motif? Alors moi, j'aime beaucoup le vert. J'aime beaucoup le vert. Après, faut voir si on n'a pas une couleur qui va bien, les gars, avec, avec ça, le bleu ultra. Ouais, c'est pas ouf. Blanc. Non. Je vais voir si peut-être du vert un peu lime. Ce que ça donne en vert lime. Voilà, en vert lime, ça donne ça. En vert lime, ça donne ça. En mat, vert, mat vert. Mat vert lime, j'aime bien. Allez, on va mettre du mat vert lime, les gars. Couleur secondaire. Je vois pas ce que ça change, mais je vais pas être pareil. Je pense que du mat vert lime, c'est bien. Ça, vous savez, des fois, mettre des véhicules en vert, en mat, c'est sympa. En vrai, on a tout l'habitude de mettre métallisé, mais franchement, moi, j'aime beaucoup le mat. Alors, on a prise d'air en carbone. Et on va partir sur la normale. Vendre, non. Alors, bas de caisse. Qu'est-ce qu'on a en bas de caisse? On a bas de caisse de rue, donc normal c'est comme ça. Ouais, c'est, on rajoute un petit truc en truc en dessous. Bon, on va mettre évasé comme l'avant. Hein. Évasé. Aileron. Alors, aileron, qu'est-ce qu'on a en termes d'aileron? Alors, attention, les ailerons, c'est très important. Les carines, bon, c'est. Il faut pas non plus mettre un gros truc, je pense. J'aime beaucoup cela aussi, c'est pas mal. Attends, je vais me remettre les capots, les gars. Enfin, les ailerons. Sympa, celui-là, ça fait vraiment tuning. J'aime beaucoup le deux rues. Ouais, non, ça, j'aime pas du tout. Je pense que je vais mettre celui-là, les gars. Ouais. J'aime beaucoup celui-là. Le gros aileron, comme ça rend bien. Pare-soleil. Alors, qu'est-ce qu'on a en pare-soleil? Feu carreau. On peut peut-être mettre du côté un petit blanc pour voir. On va voir ce qu'on a. Justement, pour casser un peu. Et je pense plus mettre le main match. Ouais, c'est beaucoup plus sympa, beaucoup plus discret. En termes de transmission, on va mettre de course turbo. On le met. Alors, les roues. Alors là, je vais pas vous mentir. I don't really know. Je vais juste mettre ça pour l'instant et mettre la couleur en noir. Attendez, je vais mettre amélioration des pneus. Pneus custom. Mes pneus, on va mettre du vert. Et attendez, maintenant, on va mettre. On va voir ce qu'on met en termes de. En termes de roues. Ouais, c'est pas ouf non plus. Haut de gamme, ça le fera pas sur ce genre de véhicule. Muscle car encore moins. On va voir les SUV, tiens. SUV, c'est pas mal. Et tuning. Tuning, j'aime bien, mais c'est pas non plus ouf. Merde, alors là, attendez. Hop, voilà. Hop. SUV tuning, alors tuning, voilà. Tuning, c'est pas ouf. On va voir circuit. Ah. Circuit, là, ça m'a l'air plutôt sympa. Ça m'a l'air plutôt sympa, là, ça rend bien. Ok. Celle-là, on les a pas. Je suis pas trop fan, les gars, vraiment. Je pense que je vais partir sur du lowrider. Un truc un peu comme ça. Et mettre juste peut-être l'amélioration. Apparence des pneus un peu custom. Ok, je pense que je vais partir sur ça. Alors, vitre, limousine. Et maintenant, on va mettre l'éclairage, les gars. Alors, en termes d'éclairage, on avait dit du coup phare xénon. Couleur néon. Et on va mettre du vert. Alors, vernis. Ok, et bah, du coup, voilà la customisation que j'ai mis. Alors, véhicule qui coûte 456 000. Et honnêtement, vraiment, j'aime beaucoup ma customisation. N'hésitez pas à mettre une petite note sur 10, les gars, dans les commentaires, quoi. Mais franchement, je valide totalement avec la petite plaque verte et tout, Sprunk. Moi, je valide, j'aime beaucoup. On va tester, bah, bien évidemment, maintenant, à quoi, bah, ce qu'elle donne comme patate. Est-ce qu'elle est puissante? Est-ce qu'elle n'est pas puissante?
Après, en termes de 456 000, on va pas s'attendre à non plus un truc de ouf non plus. Ok, en termes de tenue de route, c'est assez catastrophique. Le véhicule est quand même assez lourd. Voilà, bah forcément, il y a un punch qui nous fonce dessus. En termes de tenue de route, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. C'est, ouais, ça dérape beaucoup. Ouais, ça dérape beaucoup. Après, en termes d'accélération, c'est pas ouf non plus. Après, c'est une berline, les gars. Donc forcément, une berline, ça va pas bombarder, genre abuser, quoi. Ouais, non, c'est léger. C'est vraiment léger. En fait, elle a beaucoup de mal à tourner et tout. Même quand je freine et tout. C'est pas un véhicule avec lequel on va s'amuser. Par contre, en termes de déco, en termes de design et tout, moi, je kiffe totalement ce motif sur du vert, un peu un côté vert-blanc. On vient justement rappeler ce petit côté blanc dans les pneus custom, là, avec les petites barres blanches sur les roues. Et ce petit aileron noir et vert. On a ce côté, on a trois couleurs, et puis c'est pas mal. On a aussi le petit bleu léger. Moi, j'aime bien. Franchement, je me dis totalement, je mets un 10 sur 10 sur mon véhicule. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous donnez comme note. Et voilà, on sait ça dessus. Ciao, ciao.